Salut, salut les amis, c'est Food for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe TCE Live avec le défi TOTS 4, utile pour les objectifs et pour récupérer de l'XP. On va parler, bien sûr, pensez à faire votre renfort connexion quotidienne. Moi j'ai récupéré un pack, donc je ne sais pas lequel c'est, j'en ai peut-être loupé entre temps vu que c'est pas mon compte principal, ben forcément j'en oublie. Défi TOTS 4 les amis, il faut compter 8000 crédits, vous récupérez, je vous ai même pas dit ce qu'on récupérait. Un pack 8 joueurs première ligue non vendable. Il faut compter 8000 crédits pour ce défi là. Il fallait 4 championnats maximum, 3 joueurs de même pays minimum, 4 joueurs de même club maximum, 1 joueur rare, une note générale à 80, un collectif à 27. Donc les amis, on va pas se le cacher, joueur rare et joueur or non rare, c'est exactement le même prix, voire même moins cher les joueurs rares. Donc ne vous prenez pas, peut-être vous prenez des joueurs or tout court, vous mettez en or. Je suis parti dans le championnat portugais. En fait, la première chose que j'ai fait, j'ai vu qu'il fallait 27 de collectif. 27 de collectif, ça veut dire que deux joueurs, vous pouvez les mettre là où vous voulez. Ça, vous mettez deux joueurs à 0 de collectif et 9 joueurs à 3 de collectif. Si vous mettez tout du même championnat, les 9, vous aurez automatiquement 3 de collectif pour chaque joueur. Bien sûr, il faut les mettre au bon poste. Du coup, j'ai acheté 2,82, ils sont à 750 en ce moment, il faut en profiter. Donc j'ai acheté Talisca et Voland, mais Voland au final je l'avais dans mon club. Voilà, deux joueurs à 82, histoire de faire gonfler la note. Comme ça, on ne se prend pas la tête pour le reste. Championnat portugais, vous achetez tout ce qui passe. Taremi et Uribe coûtent un peu plus cher, je les ai payés 800. Mais voilà, en gros, la moyenne, c'est 750 pour les joueurs. Honnêtement, c'est 750. Il y en a qu'on a payé 700, il y en a qu'on a payé 800, 850. Donc voilà, 8000 crédits en tout cas pour ce défi-là. Voilà, vous mettez 9 joueurs au bon poste et après vous rajoutez 2 joueurs à 82. Si vous les prenez de votre club, c'est bien aussi. Ça vous fait économiser ça. Allez, c'est parti, on commence avec Odysseas, Vlacho Dimos, Gonçalo Ignacio, Mateus Reis, Lucas Verissimo, Kevin Voland ou n'importe quel joueur à 82. Mateus Uribe, j'ai testé avec un 75, ça passe pas. Donc du coup avec un 80, forcément on a un peu plus de chance. Bruno Costa ou n'importe quel joueur à 75 de Liga Portugal. Anderson Talisca ou n'importe quel joueur à 750, à 82 de général. David Neres, Mehdi Taremi et on termine avec Bruma. Voilà les amis, bon il est pas compliqué celui-là vraiment. C'est juste un peu cher au niveau des prix parce que bah, en ce moment les prix des joueurs or sont chers. On a fait deux objectifs, donc on va aller voir ce que c'est. Un palier, c'est renfort connexion quotidienne, j'en ai 15, donc je sais pas du tout à combien on est, mais voilà, en tout cas j'en ai 15. Et au niveau saison, on récupère un pack, un petit pack prime joueur or que l'on va ouvrir. Donc c'est parti les amis, on va ouvrir ce soir, je crois qu'on a un pack première ligue en plus, donc on va se le faire. On va se le faire. Donc petit pack prime joueur or, ça c'était le pack qu'on avait, 3 choix joueurs qui traînent de plus. Ok. Ouais, je me rappelle pas. Je sais pas. Je me rappelle pas l'avoir fait. Ah si, c'était des DC Flash d'hier. C'est bon. Après, qu'avons-nous? Rien. Dans le petit pack joueur hors prime, on n'a rien. C'est non vendable. Donc on envoie ça au club. On continue avec pack de joueurs 80 et plus. Ça c'est le renfort connexion quotidienne. Vous connaissez. On n'a rien non plus. Compliqué. Ça fera des 82 pour sûrement un autre SBC. Deux joueurs 81 plus encore. On n'a rien, on n'a même pas une anime, on n'a rien. Il est pété ce compte, c'est incroyable. C'est incroyable comment il est pété ce compte. 8 joueurs à la Liga, 8 joueurs première ligue, 8 joueurs première ligue. Voilà, c'est les deux SBC que je vous parlais. Donc on a 3 packs, 8 joueurs première ligue. Donc on va commencer par les non vendables. On a une petite anime, malgré tout, il est danois, c'est Højbjerg, ok. Avec Firmino, ça servira toujours. Là, on va avoir sûrement des doublons, parce que bien sûr, ils donnent toujours les mêmes. Pack joueur, première ligue, le non vendable, encore une fois. Petite anime, anglais, MDC, c'est Rice. Ok. Et enfin, l'autre. Pas que 8 joueurs première ligue, mais celui-là il est vendable. Et c'est parti. Forcément il est vendable, il n'y a pas d'anime. C'est incroyable.
Allez, hop, hop. On va se quitter là-dessus, les amis. On va se faire l'aperçu du pack de premium or. Et ce sera tout. Hop. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.